Pomme TP là, s'il vous plaît. Mais le problème, c'est que je me rappelle à chaque fois là, je sais pas pourquoi, j'ai dormi dans le lit pourtant. Alors, ouais. En fait, Cyber, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que t'attendes un peu avant de réapparaître. Attends un peu, regarde, meurs. Ouais, t'as de chance. Attends 2-3 secondes. Sur respawn. Juste, on peut me dire pourquoi je suis mort. Non, je réapparais au même endroit. Ouais, t'as pas dû mettre ton spawn en haut. Et pourtant, j'ai. Mais juste, pourquoi je suis mort là? Ouais, je suis prêt là. Pourquoi? Parce que. Attendez, je suis un peu occupé. Ah, je suis couché par terre. Ouais, 2 secondes. Ouais, pas de soucis. Donc ceux qui sont morts, ils ne jouent plus, c'est ça? What? Mais pourquoi je suis mort en fait là? Ouh, je suis en train de voler. Juste, vous pouvez me dire pourquoi je suis mort? Je crois que tu as dû être frappé par une entité quelconque ou par un autre quelconque. Parce que je voyais personne. Je suis en fait. Presque sûr je voyais mes que tu as dû atteindre 0 de HP. Oui, bah là je suis mort, mais je peux plus rien faire là, je suis KO. Je suis sur un terrain qui n'est pas chargé, c'est bon. Déco. Alors, Cyber, je t'ai TP dehors en fait, faut que tu reviennes à patte en bas. Plus rien, j'ai pas compris pourquoi je suis mort là. Alors, quand vous mourrez, pour ceux qui n'ont pas lu les règles, vous avez le droit de revenir, bien évidemment. Pas de soucis. Le but c'est d'atteindre l'arrivée. Mais ouais, je me promène. Non, mais moi je suis un concepteur. Ah, oui, les concepteurs c'est différent. Oulala. Mais le problème c'est que je ne pensais pas. Bon, je vais déco-reco parce que c'est vraiment. Tu vois quelque chose là ou pas, Cyber? Je vois du vide, sauf les zones de labyrinthe. D'accord, faut que tu déco-reco, t'as bugué. Prépare-toi, je devrais pas tarder à être reconnecté pour que tu m'envoies dans la zone des spectateurs. Et là, comme j'aurais pas à bouger, je pense que je tiendrai. Ça marche? Okay. Je vais voir chez Ivan. Et dire qu'on est dans un pays où c'est même pas marqué dans la constitution qu'on a le droit d'avoir une connexion internet. Ah, les points obj, ils manquent aussi chez moi là, en ce moment. Si jamais, jamais. Alors je les ai jamais eus. J'ai une dernière version en 11 dev sur du début. Compilé quand? Je les ai jamais eus. Compilé il y a 3 jours. Ok, c'est qu'entre temps il y a plus de 20 connus. J'exagère. Ouais. Alors, votre version elle date de plus de 3 jours ou au moins? Bah en 3 jours, j'ai eu l'air de rien, j'ai dû voir passer 5 commits. Alors. Ah. Tout un stuff, trop bien. Fantastique. J'ai même droit à une épée au mithril. Le terme technique c'est charognard. Alors, je répète pour ceux qui n'ont pas compris, les coureurs qui sont morts ont droit de revenir et de recourir. C'est pas grave si vous avez perdu votre équipement, vous pourrez très certainement récupérer assez facilement en tuant. Bon, Darcy, je suis là. Ah, on peut faire des legs, okay, je connais pas. Bon, bah, moi j'arrive dans, alors, on va dire, moins d'un quart d'heure. Vous avez droit de stratégie, vous avez droit de rester entre coureurs, etc. Il n'y a pas de soucis. Et puis casser les blocs, c'est interdit par contre. On est d'accord. Oui, casser les bugs c'est interdit. Ouais. C'est le bus bug. Alors, Jab vient de tuer Ivan. Écoutez, moi je me suis retrouvé dans un truc à un endroit qui était pas protégé. Oui, alors, il y a 2-3 petits bugs sur le labyrinthe. J'ai mis là vos endroits protégés. Je flotte dans le vide. Aïe. Aïe. Ah, mais il y avait pas de larves, c'est lui qu'un ami. What? C'est quoi ça? Alors oui, en fait, c'est du... Il y a un cactus ici. Donc si tu restes grâce trop longtemps à l'entrée sans bouger, tu meurs. Je l'ai pas grâce vu. À moi. Mais je l'ai pas vu une seconde. Il est caché où? Ouais, alors, fais attention au cyber. Il est bien caché, t'inquiète pas. Il est là. Ok. Attention. Cactus. Il y a de l'équipement un peu partout. Gaël, je te suis. Hein. Je te suis. Ouais, attention, hein, il vous faut de l'équipement là. Vous allez mourir si vous faites... Y'a Jacques qui est au premier étage qui vous cherche visiblement. Ouais, mais le problème c'est d'accéder au premier étage. Le seul endroit que je vois en fait c'est ce machin avec les pistons. Bon, ça commence à faire un petit peu longtemps que vous êtes bloqué au rez-de-chaussée. On va peut-être. Un stuff. Mon stuff. On va peut-être faire une petite facilité si vous arrivez vraiment pas à dépasser la première petite épreuve. Je suis coincé, Cyber, s'il te plaît. Le piston là. Tu t'es fait avoir comme un rat. Je dirais pas. Tu t'es fait avoir comme un rat. Ah, c'est bon, tu peux, ouais. Parfait. Non, les rats ne se font pas aussi bien piéger. Vous avez ça, des carottes. Bah, moi, je suis.
Mais c'est ça le truc, Egal, il faut. Avance, stop. Ah, non, pas... Yvan, pas dans la lave. Remonte, Fail. Yvan. On a perdu Yvan. Gaël, faut que tu reviennes là où t'étais. Je t'arrête juste après. Reviens vers moi. Reviens là qu'est-ce où t'étais juste avant avec la trappe. Voilà, t'avances. T'avances. Ça va être la distribution de Failpoint. Ok, puis t'avances jusque. Jusque. Non. Tu vois le tapis là. T'avances jusque devant le tapis. Avance. Oui, Jap, ce que tu vas faire, tu vas partir à la deuxième épreuve, comme ça ils pourront trouver par eux-mêmes la première épreuve. Allez, Jap, go deuxième épreuve et laisse-les se débrouiller. J'avance jusqu'au troisième tapis, c'est ça? What, mais c'est un. Jap? Ouais, c'est. Bah, je pense, mais sauf qu'après, ça peut tapis, quand même, donc. Il y a un cactus là, donc. Je sais pas. J'ai... On va vous occuper de lui. Hein. J'ai du mal à m'occuper de mon car, c'est en plus il faut que je. Alors. Gnagnagnagna. Non, bon, c'est pas là. Environ une minute, je devrais être là, Darcy Grid. Je suis en train de flotter dans le vide. Je ne comprends pas le trajet. Je ne comprends pas où il faut aller. Encore mort. Ah, c'est un labyrinthe, hein, c'est fait pour ça, pour te déboussoler, hein, voyons. Mais oui. Alors, je vais utiliser la bonne vieille technique qui dit que. Dans un labyrinthe, il faut toujours suivre la même direction. Toujours, ouais. Toujours prendre la première à gauche et laisser une marque. Si déjà une marque, prendre la première dans l'autre gauche. On finira forcément par retrouver l'autre. Non, tu mets la main contre le mur, entre aussi. Guillemets. Ah, c'est quoi ce truc? Alors, si vous arrivez vraiment pas à trouver la sortie, on finira par vous donner des indices, mais pour l'instant, on vous laisse chercher. Là, j'ai un... Tu peux commencer à envoyer la commande de porte astrale. Le temps que je charge, ce sera bon. Ah. Ok. Tu es tombé dans le panneau. Au sens littéral du terme. Ouais, mais non. Ah. Je peux vous dire que Yvan est sur la bonne route. Yvan, il a les bonnes idées pour l'instant. Oh, là, je suis encore aux fraises là. Mmh. Oh, la vue en rouge, c'est violent. Mais oui, en général, quand il y a des pièges comme ça qui te font bobo, ça veut dire que t'es sur bon chemin. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que c'est les autres joueurs moi qui m'embêtent. Ah bah voilà. Là, on commence à évoluer un peu vers le mieux. Ouais. C'est bien, vous êtes bien. Bonjour. Oh, j'y pense aussi. Alors, je vais essayer de refaire les mises à jour d'IRC, mais cette fois en faisant un merge plus précis. Ouais. Pourtant la dernière fois j'avais utilisé le même, mais je ne sais pas pourquoi. Tu avais quand même, on avait quand même réussi à faire que MFF Boat ne revienne pas. Ouais, je sais pas comment ça se passe. C'est des boutons là, vous avez peut-être une mise à jour de la lib Lua Socket. Non ! Est-ce que je suis le seul dont les oreilles viennent d'être pulvérisées par le pangolin ? D'être pulvérisé par le pangolin. Mais OK, je reviens. Je découvre quoi. Voilà, je suis de nouveau en jeu. On y repart. Pour ceux qui ont des petits bugs au niveau du spawn avec le lit, je vous invite à faire un slash cet homme à côté du lit. Aussi, c'est entre autres pour ça qu'on était censé utiliser le lit pour ne pas faire slash cet homme. Voilà, parce qu'après on est... Alors, on est. On a bousillé son home pour rien. Alors, ce que je vois faire du cet homme et du slash home au sein du labyrinthe. Mais c'est vrai qu'il a les logs lui. On fait pas. C'est envoyé dans les logs, non? Ah oui, c'est vrai, oui. J'avais ajouté les messages. Alors, est-ce que c'est par là? C'est pas par là. Oh, c'est une bonne idée. Dans ce genre de cas particulier. Ah, magnifique, merci Darcy. Ok, Gaël, c'est le premier bouton qui va te tuer, je crois. Quoi? Ouais, c'est un piège, attention. Plutôt le deuxième. Ouais. Jap. Comment je peux avoir une épée? Parce que là, le deuxième, moi, je suis en train de mourir. Merci. Attends, mais je suis sûr que... Allez, c'est pour ça. Ouais, parlez pas tous à la fois, s'il pardon. Vous plaît. Hein. J'ai appelé sur le deuxième, il s'est rien passé. En fait, j'ai pas fait exprès, je suis tombé au début. Okay.
et après je ne peux plus remonter. Alors je vais te téléporter à Taron, on bouge pas. Et vu que j'ai perdu tout mon stuff parce que je suis mort pour une raison inconnue. On verra à l'autopsie. C'est pas mon pouvoir en fait, il n'y a personne. Oh là là, encore un coup. Je ne vois rien. Voilà, je t'ai téléporté à Taron. Alors, s'il te plaît, ne retourne pas à la première épreuve. Bah, en fait, là, je suis encore en dessous. Ouais, je vois que, en fait, t'as du lag. Ça n'a pas marché. Bon, ben, je t'invite à remonter à patte. Bah, j'aimerais bien remonter, mais seulement si j'utilise le passage, ça va être facile à trouver. C'est toute une machinerie que vous avez mis derrière. Ah ouais, c'est bien ça, il y a des deux boutons qui tuent. Moi je tourne en rond là, je sais pas quoi faire. C'est fantastique. C'est bon. Enfin qui tue, ouais, non, mais j'ai tenté là, on m'écarte bien. Donc j'avais appuyé sur le deuxième, je viens d'appuyer sur le premier, je suis sûr maintenant. Ah c'est bon là, je suis okay, au-dessus. C'est très perturbant les modèles pour les pédales. Ils vont... Ah mais oui, c'est comme ça qu'on fait pour monter. Ok. S'il vous plaît, parlez pas tous à la fois. Je peux avoir une idée. Attends, il faudrait que tu ailles à l'épreuve. Voilà, alors pour monter, il faut. Merci. Il y a un vrai faux piège, il faut passer à travers en fait. Qu'est-ce que tu disais, MFF? Je disais qu'il faut que tu ailles à l'épreuve 2. Tu n'as pas le droit d'aller à l'épreuve 1. Yes! J'étais encore re-téléporté en dessous, je suis re-téléporté au-dessus. Donc là, je suis à l'étage spectateur. Moi, j'essaie de comprendre comment est-ce qu'on part de cet étage pour me rejoindre vous. Visiblement, il y a une plaque de pression quelque part, mais je largue. Pour aller au deuxième. Alors, en tant que spectateur, c'est tu peux pas voir beaucoup c'est plus, en fait. Bon, bah, je reste là, moi, avec mon lag, hein, tranquille. Et la sortie. Ouh, je suis dehors, je suis dehors. Youpi. Mort 4 fois, mais dehors. Juste, je passe comment il y a un truc pour aller de l'étage spectateur au deuxième ou oui. Je passe par là-bas. Oui. Je vais te re-téléporter, il manque une plaque. Attends. On revient. Enfin, on revient de. Attends. Enfin, je viens voir. Quoi? Qu'est-ce que pourquoi je suis pas mort? Ouais. Ah, je vois. Je viens de voir que ce qui se passe quand on active la plaque de pression. Ne bouge pas. Je... Alors, s'il te plaît, MJ, tais-toi. Cyberpangolin, ne bouge pas. Recule un peu vers la porte, s'il te plaît. Oui. Et bouge pas. C'est quoi Voilà, s'il te plaît, va sur cette plaque. Il n'y a pas d'entourloupe, t'inquiète pas. Voilà, merci. Donc le joueur qui a fait un aussi de la garde pour fun. Félicitations. Ouais. Allez, j'en suis à la 4ème épée. Pardon, maison encore. Là. Heureusement, là, cette fois-ci, c'est la première maison. Là. Je serai là dans 22 minutes. Ouais, n'oubliez pas de mettre votre spawn. Ok, alors maintenant, je peux le refaire. Je vais même le refaire les yeux fermés à toute vitesse pour montrer la solution. Alors, t'as réussi l'épreuve 2, Cyber? Ou t'es passé à travers un piège? Alors, attends, je sais pas si je suis juste. Je vais te suivre. Bouge pas. Bah, je bouge un petit peu parce que. Après, t'as peut-être trouvé un trick, hein? Ah, c'est pas probable. Je sais pas. Ah, c'est pas probable. Alors, je suis au niveau du. Voilà. Ok, alors, comment j'ai fait ça? Je suis venu là. À droite. Là, cactus. On passe dessus. On se fait très mal. J'attends juste de revoir quelque chose parce que c'est tout rouge. Ok, ensuite, il y a le piège avec l'acide. Oui. Alors, je crois qu'il est par là, si je me souviens bien. Non. Non, je suis au mauvais endroit, pardon. Pas de soucis. Non, c'est pas là non plus, c'est le suivant, désolé. Voilà. Bon, alors, moi, je peux pas pouvoir le faire parce que je ne comprends pas comment on peut monter. Deuxième, il y a un droit, t'as une plaque avec de l'acide qui va te couler dessus, tu passes à travers l'acide, tu montes. Oui, ça, je sais, mais je veux dire, pour les concepteurs... Ah, mais... Eh, attends, j'arrive pas à passer à travers l'acide, là, ça en met même un problème. Temps, je ne sais pas comment je fais. Je m'en vais. Bon. Moi, j'abandonne. Je vais me re-TP. Parce que depuis tout à l'heure, je pense que je vais faire la chose suivante. C'est-à-dire que je vais attendre la vidéo de Cyberpangolin pour regarder comment sortir de ce jus labyrinthe. Oula,
Je sais même pas où je suis réapparu là. Ah oui, d'accord, je suis allé en vert. Je vais vérifier quelque chose, bougez pas. Allez, tu. Aïe. Et de nouveau du rouge partout. Voilà. Moi aussi, pourtant je suis à l'extérieur, c'est dernier tir là. Je vois rien. Je me fais spectateur là, je fais comment? Eh hey, mais Jap, il me voit pas. Qui ou... veut être spectateur? Qui t'as veut être spectateur? Gaël, d'accord. Ouais, Gaël. Bon, je suis sorti. Bouge pas, je te téléporte. Voilà, j'ai retrouvé l'endroit. Darcy Drid, est-ce que tu peux me téléporter au troisième? Voilà, Gaël est téléporté en spectateur. D'accord. Qui est-ce qui demande quoi d'autre? Parce que moi, je ne peux pas aller au troisième, je comprends pas, Jacques me répond pas, donc... C'est qui parle? Attends. D'accord. Putain, tu connais pas le labyrinthe, c'est toi qui l'as fait. Mais si, mais je peux passer par le piège, mais ça me tuerait avec le lac que j'ai. D'accord, ouais, et ben, c'est un gros problème. Parce que Jap, il a dit qu'il y avait un passage par le spectateur, mais c'est, il me répond suis pas. Suis Jap. Il est sur l'escalier, là, côté le spectateur. Tu vois ou pas? Non, tu vois pas. Ici, là, regarde où je suis. Il est passé par là, Jap. Derrière toi, regarde derrière toi. Retourne-toi. Ah, dis donc, t'as du mal, hein. Tu lags vraiment, vraiment beaucoup. Attends, Ron, est-ce que tu me vois? Bon, alors, je trouve vraiment pas d'autres passages, hein. Je refais tous les trucs. Donc je devais pas passer par le piège en fait. Par quel piège? Je suis avec l'acide. Je sais pas si tu peux lui répondre par texte. Oui, j'appuie. Ah mince. Ok. Oui, Cyber. Oui, nous entendons. Déjà qu'il nous entend ou pas? Il parle pas. Ouais, je sais, mais c'est parce qu'il me répond pas. Ok, donc c'est bien ça, il faut bien passer par l'acide maintenant. Sauf pour que aller j'arrive, sauf que j'arrive plus en fait là. Tu n'y arrives plus. Tout simplement parce que ça monte pas. C'est comme si j'étais sans pas. Ah oui, parce que en fait. Pardon. Alors, je suis pas censé te le dire, mais tu as deux boutons et il y en a un qui fait quelque chose. Non, non, c'est pas ça. C'est pas non, les deux boutons, les deux étaient dessus. Non, celui-là il tombe. Au cas d'où t'as dessus. C'est le mien. D'accord. Donc l'acide, ah oui, il y a... Pour l'acide, non en fait, j'arrive pas à monter. C'est comme si j'étais toujours par terre, sauf que je prends les dégâts, mais je peux pas remonter. Oui, parce qu'en fait, il y a un piston qui ne devrait pas être comme ça, en fait, c'est bizarre. Bah là, tout à l'heure, j'ai réussi à monter par là, et là, j'ai... Ah voilà, j'ai réussi. Vous allez peut-être avoir le même message de mort personnalisé pour l'acide. Tout à l'heure, il y avait le piston qui était bloqué, en fait. C'est pour ça que t'as eu un petit souci cyber. Ok, ah voilà, donc maintenant il y a un piston qui bloque l'accès par où je suis passé avant. Donc c'était ça en fait que j'ai fait. Puis je suis venu là, puis je me suis retrouvé en zone spectateur, et après j'ai pu sortir instantanément. Ah, donc t'as triché, d'accord. Je savais pas. T'es pas censé être en spectateur. Faut que tu fasses l'épreuve 2. Ok, non mais j'ai compris, je vois le problème. Parce qu'en fait ils ont ouvert ici, ils ont pas fermé les concepteurs. Ouais. Donc je ferme. Ça y est, j'ai compris. Et voilà. Il y a Ataron qui te poursuit, Cyber, pour information. Ah bon? Je vois pas Cyber en fait. Donc soit j'ai un problème de écoute, vue... Ah écoute, je peux rien faire pour ton lag, Ataron, je suis désolé. Mais... Non, parce que là en fait, pour moi, il est encore au premier étage, Cyber. Non, mais...